Добро пожаловать в мой канал. Johan Tari sur le plateau de France 3 Aquitaine en juin 2015. Capture de CRN France 3 Aquitaine Ouest France. Johan Tari, également élu régional, était âgé de 41 ans. De nombreuses personnalités lui rendent hommage. Il était âgé de 41 ans. Johan Tari, président du Modem Gironde depuis 2008, cesse de donner la mort dimanche 21 janvier à l'aube en se jetant du pont d'Aquitaine dans la banlieue bordelaise, selon les pompiers appelés sur place. Également adjoint au maire du Bouscat dans la banlieue de Bordeaux et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, il était directeur de cabinet du maire centriste de Saint-Médard-d'Anjal, Jacques Mangon. À l'automne 2017, Johan Tari avait annoncé sa décision de ne pas briguer sa propre succession à la présidence du Modem Gironde, préférant se recentrer sur ses mandats d'élu local. Au Bouscat et à la région, précise le quotidien régional, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage comme François Bayrou, président du Modem, Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale ou encore Mathias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Cazeneuve. Johan Tari était brillant, intelligent, travailleur, engagé et fidèle. Il était mon ami, François Bayrou. @Bayrou 21 janvier 2018. Abasourdi par la disparition de Johan Tari, conseiller régional de @Nouvelle-Aquitaine depuis 2010. Je garde en mémoire son volontarisme dans les débats en séance plénière et en commission permanente. Il aimait et savait défendre le fait régional. Alain Rousset. @Al-Rousset 21 janvier 2018. Johan Tari disparu si brutalement. Ce sont de nombreux souvenirs qui reviennent. Sa voix chaleureuse, son sens de l'humour, sa fidélité au combat, son sens de l'amitié, sa passion des débats. Pour beaucoup d'enters, nous c'était un ami tout simplement. @groupemodem @modem Marc Fesneau. @aimé Fesneau 21 janvier 2018. Bouleversé par la mort de Johan Tari, jeune et talentueux élu, homme de conviction, défenseur engagé de la @Nouvelle-Aquitaine dont il présidait le groupe @modem. Pensées et condoléances à ses proches. Mathias Fekl. @Mathias Fekl 21 janvier 2018.